Vous savez, je vais peut-être vous paraître ridicule, mais je suis le genre de personne convaincue qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Le pire, c'est que je suis sûre que ça marche, tes conneries. Si tu cherches l'autre, elle est dans ma chambre, la 12. Elle est à toi. Ta mère, elle est où? Elle a dit qu'il t'emmènerait chez papa Clément au bord de la mer. T'es sûre que tu l'as jamais vue, cette fille? T'as pas remarqué que j'étais un petit peu plus palichon? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce gosse? Je l'ai ramené jusqu'à chez lui, tout simplement. Il faut que tu me promettes d'être sage et de pas faire de caprices ou ce genre de trucs, ok? C'est quoi un palichon? C'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Je crois qu'elle est où, ma maman? Écoute, il faut pas me parler quand je suis en voiture, hein? C'est à vous, le gamin, là? Vous le laissez tout le temps devant, comme ça, là? Non, des fois, je le mets dans le coffre ou sur la galerie, ça dépend. Heureusement qu'il y en a qui ont le sens des responsabilités. Le petit Lucas attend le monsieur bien habillé à l'accueil. Désolé. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Ne pas bouger. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours arrangé pour vivre ma petite vie tranquille sans que personne vienne m'emmerder. Et là... Vous avez de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. Ça change une vie, un enfant. Tournez à gauche. Il n'arrive que des catastrophes depuis que t'es là-bas. Pourquoi tu m'aimes pas? Boum! Paf! 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 Eh, ça raconte bien les histoires. Accroche-toi bien, je t'ai dit.